Alors cette semaine, nous avons deux professeurs principaux. Un le grand classe, les enfants à partir de plus de 8 ans et demi, ou 8 ans, le grand à la naissance. Et l'autre, c'est avec notre professeur Madeline, le grand, c'est le garçon, lui, alors, nous avons 19 enfants formés au sujet de chaque. Donc, on a fait beaucoup de choses culturelles, manuelles, beaucoup de dessins, beaucoup d'histoires aussi. Cette semaine, ils ont un conte de la grand-mère de la mère qui veut se marier sa fille. Donc, il y a une grande histoire, c'est dans le cours de chinois, je suis中文故事是一个星期是那个海龙王嫁女儿那个故事的很精彩的故事。首先来听话好跟我们没有我们这种话还有我们这题呢跟我们来听的呢。好我来那个我爸爸妈妈是因为你凶手那一场是吗那边都是大意思的我们后面是也professionnellement, mais ça risque, mais ça fait plus de 10 ans qu'il est toujours dedans, donc on nous aider pour le vie. 那这一次我们这个吉他音乐家他是特别为了这个夏令营他还支援我们两个人。Il est venu pour deux semaines, il est venu ici avec les enfants, et après呢, alors, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, c'est un peu petit chanson, très simple, ça ne s'est pas très bien, mais,ils ont aussi essayé de chanter chanson opéra chinois parce que vous savez là, il y a beaucoup de sons commencés par donner. Vous regardez derrière, il y a les masques. C'est un cours de chinois, grâce à notre juriste, Li老师, il fait le cours. 我们的李新宇老师教大家就是那个中国国剧脸谱。Il y a des symboles, il y a des histoires, des couleurs par rapport à la personne qui joue dans le théâtre opéra.Donc, dans nos guitaristes, au lieu de faire une chanson très normale, 与其唱一首很简单的中文歌，可是他要让他们练习他们的鼻音发音啊，就是唱一个啊这样子叫，然后高嗓，对对对对，我不得不鼻音。我们我们必须的，你要我们毕业时光的，我们还可以忍受。那小朋友也很好玩，也想看萌萌肥萌，是来 share 肥萌吗？这是不是马戏吗？Donc là, on a aussi la peinture calligraphie qui a présenté l'orchidée et puis aussi on est dans le musée de Shaanxi, on est allé deux fois exceptionnel cette année parce que le premier rendez-vous était en conférencier, elle était malade. Donc on a pu visiter gratuitement pour une heure et demie et le professeur l'a ramené, c'est le jour de la canicule. Et deuxième jeudi, on est allé faire une deuxième fois. C'est avec un conférencier qui est d'origine japonaise, mais elle a parlé d'histoire et puis dessiné les dragons sur place. Et elle a fait un petit atelier aussi. Dans le centre, on a fait une longue. Tout ça, c'est les enfants qui ont dessiné. Et la conférencière a montré comment faire dessiner. Parce qu'il y a les critères. Les dragons, il y a les pinèmes de.Lion, il y a le corps de serpent, il y a les ulines, les zika, il y a des poissons, il y a les mains, les griffes de à la bouche de crocodile. Tous les longs, il y a des animaux, il y a 9 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 animaux, il y a Donc en fait, ils ont fait ça avec un peu de pastel, un peu d'aquarelle spécial. Les pinceaux ont ressorti de l'eau avant d'aquarelle mélangée. Donc ça, c'est avec beaucoup de calligraphie. On a coupé un peu de livre pour la présenter. En fait, les enfants, ils ont travaillé la calligraphie aussi. Et puis, il y a le découpage de l'étude Bonne Chance. On a recollé sur mon feuille pour faire plus joli comme ça. Donc tout à l'heure, afin de la finition, vous pouvez emporter. Donc ce matin, ils ont dans le parc, en libre, en l'air, fait le dessin. Ils ont fait la peinture, voilà, avec nos trois professeurs. Donc ça, tout à l'heure, je vais vous dire, les chansons étaient courtes. Parce qu'on n'a pas, comme la semaine dernière, on a répété le théâtre. La semaine dernière, c'était la théâtre. On a fait beaucoup de vocabulaire. Cette semaine, c'est la vocabulaire dans le cours.
那个这里面后面是欧西派历史，东方西部在里，我未来是把科学发挥后面你也是这样的。我那些后面的种风格学语言的种，也在东区那个陪同大兄弟在飞石都不低门那里的东西啊，也欧西我那必须种风。现在呢，我那里种风比较的États-Unis、Swiss、États-Unis et Portugais et Espagne. Donc, parmi les 19 enfants, vraiment bien de partout. Voilà. Je suis très contente de, très heureux de que vous ayez confiance à nous, nous laisser vos enfants faire des initiations avec nous. Parce que les enfants, vraiment, ils sont très joyeux. Et chaque coup, on a sorti dans les parcs aussi, pour qu'ils sont aérés, ils pouvaient un peu crier, jouer, comme ça. Et il faut dire que le repas, on a essayé de faire chauffer sur place. Mais quand il fait chaud, il y a beaucoup de parents qui sont sandwich, ça c'est très bien aussi. Et après, on a mis des tapis où les enfants, qui avaient des tapis où nous, on a prêté des tapis au tissu. On met au tiers, le cou de le tapis. Les enfants peuvent être en train de s'enchaîner. C'est un menton qui est allongé un peu pour la tête. C'est très important. Tout le temps, il y a une chose.